Bon, allez, on décharge ou quoi? Ah, vas-y, allez, c'est parti. Putain, mais il est toujours en retard, pire qu'une nana celui-là, il est jamais ponctuel. Ouais, c'est clair. Vas-y, si c'est encore une fois Eddie, je le tue. Bah tiens, leur blague, sa voiture. Il a changé. Ouais, moi, t'as mon jaune. Eh, salut les gars, ça va? Ça va bien ou quoi? Oh putain, Eddie, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous en soi, Eddie? Mais j'ai trouvé que ça. J'ai pas trouvé chez Leaf, en fait, j'ai trouvé ça. Mais on avait dit chez Leaf, putain, mais. Ah, mais c'est bien quand même, c'est bien quand même, t'énerve pas, c'est bon, c'est bien. Eh, regarde comme je suis beau, le gars, je te tourne du cul, le gars. Eh, t'as vu, c'est bien. Mais sérieux, lui? Je suis beau. Mais t'es un cinglé, arrête de travailler comme ça, va te changer. Mais non, je suis bien comme ça. Et j'ai les mêmes pour vous. Il y a un flic qui nous voit comme ça, et ça y est, on est fini. Eh, j'ai les mêmes pour vous. Non, 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 Eddie, tu vas te calmer, maintenant tu vas aller te changer, dépêche-toi. Mais non, j'ai les mêmes pour vous. Allez, Eddie, dépêche-toi. J'ai les mêmes pour vous. Ok, bon, va nous montrer ça. Ah, mais vous faites chier hein, quand vous êtes comme ça, vous me prenez la tête. Moi, je me démerde à vous trouver des tenues, et vous, vous me faites chier. T'as qu'à être un peu plus sérieux, et on prendra au sérieux. Eh, je suis sérieux, regarde, tu me dis, va trouver des tenues, je te trouve des tenues. Oui, ok, mais bon. La moindre des choses, c'est de les planquer. Allez, allez vous changer, c'est dans l'autre pièce. Ah là là, hein. Ah, jamais que tant, hein. Pire que des femmes. Hein. Eh mais Eddie, il se débrouille à vous trouver des trucs et vous chaillez. Celui-là. Je changerai jamais. Hein. Ouais, pardon. Ouais, pas trop attirant en ta tenue. Pardon? Pas trop attirant ta tenue. Eh, hey, j'entends, hein. Si t'es pas content, tu te démèdes. Putain, mais Eddie, je t'avais dit en XL. Tu m'as pris du M. Eh ben, c'est pas de ma faute si t'es un gros cul. Putain. Ah, je me sens tout moulant dedans. Sérieux, Eddie, t'abuses, hein. Eh ben, c'est pas ma faute, j'avais que ça. Et t'as cru quoi, toi? T'as cru que t'achetais des tenues de choix à Carrefour ou quoi? Bah, on dirait, parce que j'ai le... Non mais toi t'as cul, je vais à Carrefour, je dis bonjour, je voudrais toi tenue de chouette. Non mais t'es fou. Je te jure, après le casse, je te prends tes thunes, je te les donne, et je te dis, va te payer des cours de comique, je suis sûr que tu prends du succès. Eh mais c'est pas ma faute, j'y peux rien. Ouais, enfin bref, parlons des hommes. Et puis tu sais quoi? Au pire des cas, j'y t'emmerde. Waouh. Oh putain, c'est bien ça. Oh, c'est lourd là. Oh putain. Oh, je crois que je me suis bloqué le dos. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. Bon, pose des armes, moi, tu joues. Je vais le poser, c'est vraiment lourd là. Encore une chance qu'il avait pas l'obus avec lui. Oh putain, oh, c'est lourd. Ouais, l'obus, je l'ai vu qu'il restait sur la table. Oh putain, j'ai failli me bloquer le dos avec vos conneries. Ouais, bah laisse-le par terre, le mets pas sur la table parce que je crois que tu vas faire encore des désastres, tu vas taper dans l'obus, tu vas tout faire péter. Bon, alors, monsieur Will, parle-nous de ces joujoux, parce que là, j'y connais rien du tout. Je connais pas ceux-là, ils sont nouveaux, quoi. Ouais, là, c'est des nouveaux RPG, donc avant, on avait des RPG Z, je sais plus quoi, pourquoi. Maintenant, on est passé au RPG 42, donc... Nouveau modèle, nouveau design, plus performant, plus précis grâce à sa lunette. Ouais, et surtout bien lourd. Hein. Oui, plus lourd aussi. Ensuite, on a des ogives de 50 cm, ce qui est énorme. Ce qui perfore tout et n'importe quoi, c'est-à-dire Ifrit, tout. Ouais, en gros, c'est un lance-roquette. Hein. Ouais, non, mais non, bon. C'est pas n'importe quel lance-roquette, c'est Will qui l'a trouvé quand même. Oh. Eh ouais, bah pourquoi tu poses ça chez moi? Et si les flics qui viennent, moi je suis dans la merde, hein. T'as cru que c'était ta maison ici ou quoi? T'as cru qu'on était colocataire? T'es fou, hein? Mais déjà, toi tout seul, t'es dans la merde. Mais c'est bon. Ça, c'est fait. Ah, mais c'est bon. Ah, qui c'est qui a trouvé les tenues, hein, chez moi, hein? Ouais, donc voilà. Je te dis, à XXL, tu me rapportes un M. Mais mec, je suis pas une nana. Mais mec, c'est pas de ma faute si t'as un gros cul. Ouais, bon bref. Et niveau traçabilité, ça va, c'est fiable? Ouais, mais t'es con toi, comment tu veux tâcher un loquette? Un loquette ça tape, y'a plus rien, hein. T'es fou toi. T'as cru que j'étais une balle de 9 mm ou quoi? Tu veux que je te tire dessus et on va voir si on retrouve qui c'est Katiné et si on retrouve l'identité de ton corps. Hein. Ouais. Je crois qu'on va se mettre en place, on va aller s'équiper pour le repérage du coffre. Eddie... Oh putain, je crois que je suis énervé là. Non, Eddie, pose. Tu veux que je te montre qu'il reste plus rien? Tu veux que je te le montre? Mais Eddie, t'es con?
L'obus, il est sur la table. Oh merde. Excusez-moi. Oh bah je suis déjà chez nous comme ça. Hein. Attends, je vais planter le missile. Oh mais putain, je suis encore plus lourd comme ça. Je voulais lui dire, Eddie... Viens, je vais te montrer qu'il est, je te plie un mois après, viens. Tu me crois pas, je vais te montrer. Hein. Viens, on va aller buter la famille de Nemo. Ah, je suis coincé. Oh putain, Eddie. Putain de porte de merde. T'as qu'à pas te mettre derrière. Eh bien. Eh, moi, je vais te montrer hein, qu'il est, je te plie un. Hein. Quoi? Non. Je vais te montrer qu'il est, je te plie un. Hein. Je vais tirer sur la plage. Eh, t'es où d'ailleurs? Je suis là derrière toi. Ça va, la gâchette elle a la cédule, ça va, si c'est pas trop mal. Oh putain de merde! Oh non, bah comme ça la porte ça fait. Oh non, j'ai craché la mission de moyenne. Mais qu'est-ce que t'as fait, Eddie? Mais Eddie, mais t'es pas bien? Vas-y, passe-moi ça. Passe ça. Dépêche. Eddie. C'est bon, hein, je m'en débalasse. Eddie, passe ça, dépêche-toi. Ah, c'est moi, voilà. Je l'ai plus. Par contre, je vais devoir, je vais devoir aller voir un médecin, j'ai le dos en sang. Ah, mais regarde, je suis bien, il n'y a plus la porte qui fait chier. Allons, choix, je vais te soigner tout de suite. Et regarde, la porte, elle fait plus chier. Hein. Oui, la porte, elle fait plus chier. Mais moi, j'ai besoin regarde, de soin. Regarde, la porte, elle fait plus chier. Oh putain. Mais je vais le tuer, merci. Voilà. Oh putain. Oh. Oh, me revoilà, les gars. What, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu poseras la question à Eddie. Ouais, comment te dire ça? Eddie a voulu nous faire une démonstration avec les roquettes comme quoi on pouvait plus les tracer. Oh non. Et voilà le résultat quoi. Oh non, j'ai plus de maison. Oh non, putain, je suis à la rue. Bon bah. Oh les gars, y'en a pas un de vous deux qui pourrait m'héberger. Bon, bah, j'ai envie de dire, mine de rien, il reste encore la bouffe. Hein. C'est un truc qui a resté. Ouais. Oh non, ma maison. Mais pourquoi vous l'avez pas empêché, vous aussi, vous le laissez avec un roquette? Attends. On lui a pris, mais il a quand même... il a voulu prendre le roquette. Mais vous le laissez, vous laissez Eddie avec un roquette dans les mains, vous. Non mais attends, laisse-moi t'expliquer. T'as déjà essayé de te mettre en travers d'un mec qui est complètement charbré? Surtout quand il a un lance-roquette dans les mains. S'il te plaît, je me mets en travers de lui tous les jours. Je te réponds de quoi, ça? Je sais pas, mais personne n'aurait pu l'empêcher. Honnêtement, moi quand je vois un mec avec un lance-roquette et qu'il est fou dans les mains, je cherche même pas à m'interrompre au milieu quoi. À la rigueur, je pourrais peut-être récupérer ma table. Ouais. Ouais. Et la chaise. Ouais. Quel gâchis. Eh ouais. Bon bah. Ouah, c'était qu'une planque hein. Bah, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on l'avait, voire même plus hein. Ah ouais, mais bon. Bon bah... Un tas de souvenirs qui s'effondrent. C'est ça. Bon bah du coup, je crois qu'on va aller... Ah oui, on va aller chercher le convoi. Ah ouais. Au moins comme on va ça... Aller chercher, Et qu'est-ce que je fous habillé en SWAT? Et vous aussi, tiens. Eh bah tu demanderas aussi à Régis. Il a eu la bonne idée d'aller voler les tenues du SWAT. Quoi? Maintenant je suis obligé d'aller voler un véhicule du SWAT. Tu te rends compte? Oh non mais... Mais il est con. Non mais attends, je t'explique le bouquet final. Le bouquet final, monsieur se trimballait en ville avec une tenue de SWAT. Non. Si, il revient en tenue de SWAT, on lui demande qu'est-ce qu'il fout, et bah il disait bah, qu'il trouvait ça sexy, que ça lui faisait un putain de cul, qu'il tournait du cul avec. Oh non. Ah si. Il est con. Ah c'est Eddie, hein, écoute. Mais pourquoi faut que ce mec soit en moi? En moi, pourquoi moi? Pourquoi pas en vous, tiens? Ah, parce que c'est toi le schizo. Ouais, ah ouais, bah ouais, merci de me le rappeler, c'est gentil. Au pire, autre solution, hein, comme si moi ça m'arriverait, je prendrais une arme et je me la retournerais contre moi. Hein. Au pire, c'est la seule solution. Hein. Les gars, là j'ai vraiment envie de faire une connerie. Quoi? J'ai envie de faire une connerie, les gars. Non. Je crois que je vais me buter, les gars. Non, pose. Je vais me buter, les gars. Pose ce flingue, il y a déjà assez d'Eddie qui fait des conneries comme ça, alors pose ce flingue. Allez, pose ce flingue. Mais je m'en fous, mec. Mais t'es débile, toi. Je veux me tuer et tu me menaces avec une arme. Non, mais laisse. Il est con, ton pote. Pose-le. Non, il a bien raison. Faut pas que tu te suicides, pose-le. Laisse, on va aller, écoute. On va aller chercher le pognon à la banque et après ça, on te soignera mentalement parce que là, ça devient vraiment...
Voilà, sage décision. Voilà. Bah, t'aurais pu tirer, hein, ça aurait rien changé, je voulais mourir. Je l'aurais pas oui, fait. Mais attends, tu préfères mourir ou empocher plus d'un milliard? Ah, bah empocher plus d'un milliard, je pourrais en construire 10 des maisons comme celle-là. Voire même en construire un peu plus près de la plage, parce que là, hein, je t'ai vu, la vue est pas tip-top. Bon, y a l'océan, certes, mais c'est pas tip-top, hein. Avec un vieux coucou planté dans ton gazon. Oh non, mon dieu. Eh les mecs, je suis devenu, ça va bien ou quoi? Oh putain. Putain. Bah, tu peux pas laisser un peu Brian, on était en train de discuter là. Ah ouais, vous discutez quoi? De meuf? Vous parlez de bonne meuf? Oh mon dieu, bon. Fin de la conversation, je crois qu'on va y aller. Hein. Ah ouais. Eh les gars, attendez-moi, wesh. Ah ouais, bonne de voix, si je te vas. Et je prends la tourelle. Ah non, c'est moi qui pour la batteuse, hein. T'es fou, toi. Oh, mais... Oh, bah vas-y, conduis, si ça peut te faire plaisir. Ah, vas-y, j'ai même pas coup d'huile, hein. J'ai pas envie de coup d'huile. J'ai mal à la jambe. En fait, je suis tombé quand j'ai tiré avec le loquette. Ouais, bon, allez, c'est parti, quoi. Eh, t'aurais pu me prévenir que j'avais du locul, hein. Moi, j'étais habitué qu'à tirer avec des pistolets à billes. Ouais, oh là là. Par contre, on va en direction du SWAT ou on en champe un sur la route? On va aller directement en direction de la réserve des véhicules du SWAT. Ouais, tu me diras, on éclabire, ils y verront du feu. Voilà. Sauf qu'on n'avancera pas avec le véhicule, enfin notre tout-terrain ouais, armé. Je crois qu'on ira à pied. Ouais. On regarde dans un coin et puis on cherche le véhicule. Ah mais je t'ai déjà dit que je comprenais pas ton expression de merde. Tu deviens lâche. Lâchant? Ah tu veux que je lâche mes lâchers deux par deux comme Franklin? Lui il t'a de la chance d'être à l'extérieur parce que lui un habitacle fort. Ah l'habitacle ouais. Hey, on n'a pas dit habitacle depuis 1869. Ouais. Oh là là. J'ai même pas besoin de mettre la radio qui me saoule. Ah bah c'est bien, mais tu sais ce qu'on dit, à boire ou conduire, il faut choisir. Là. Ouais bon, ok, bon allez, on se concentre, ok. On se choule pas la gueule avant de conduire. Ça marche. Il arrache même les potes. Ah bah c'est pas moi qui conduis. Hein. Excuse-moi, il me perturbe. Je suis tendu. Eh vas-y, moi je vais te monter, hein, si tu me crois pas. Non, c'est bon, Eddie, y a pas besoin. Et si je vais te monter, t'inquiète pas. Oh non, putain de porte, elle me fait chier, cette porte, je vais la broyer. Attends, dis, si tu te bloques derrière la porte aussi, ça va pas le faire. Mais c'est pas ma faute, elle m'emmerde, cette porte. Bah, range ton lance-roquette, tu vas pas te mais non, elle est bien. Elle est bien, le lance-roquette. Oh, mais ça va, la détente, elle a les lâchédules quand même. Hein. Mais je crois qu'il va faire une victime avec. Ah, mais c'est pas trop grave, ça, c'est bien quand même. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... On va la refaire. Non mais il a pas...